danse dans la rue, nana, je suis pas bonne. Quelqu'un qui me regarde. Ah, je vous ai bien eu. Dans cet épisode, l'épisode 9, je vais vous parler de le regard des autres dans la série web Je danse ma vie. On est genre des millions et des milliers sur la Terre, là. C'est sûr qu'il va y avoir quelqu'un qui va te regarder. Qui aime ou qui aime pas, ça te dérange pas. Toi, tout ce que tu veux, c'est se faire ce que t'aimes. Les gens qui vont aimer ça, c'est souvent eux qui te regardent, qui se disent oh, c'est pas de faire comme elle et. Elle est drôle, pas gênée. Parce qu'ils aiment ce que t'as fait. Si tu veux faire quelque chose, ben vas-y droit au but. Désolée, mais je ne peux pas vous conseiller là-dessus. Car je suis complètement myope. Alors, le regard des autres. Malheureusement. Où est-vous? Personne qui me regarde, là? Je peux continuer. Des gens dans la vie qui vont pas aimer ce que tu fais, mais il y a des gens aussi qui vont aimer, là. C'est pas toute la terre au complet qui vont pas aimer ce que tu fais, là. C'est sûr qu'il va en avoir qui vont aimer ça, là. Il y en a d'autres qui vont même pas y penser. Oui, faut pas s'en faire avec ce que les autres pensent. C'est pas grave. Toi, pense à ce que tu veux faire vraiment. La seule affaire qui compte, là, quand quelqu'un te regarde, là, c'est qu'il faut que t'ailles l'air court. Pourquoi tu dis ça? Il faut pas juste que t'ailles l'air cool. Faut que le monde pense que t'ailles l'air cool. Sinon t'es faite. C'est contre mes principes. C'est sûr que dans la vie, il va y avoir des gens qui vont pas aimer ce que tu fais, qui vont te critiquer. Tu sais, là, comme moi, là, j'ai des défauts. Il y a du monde, là, qui vont apprécier ce que je fais, puis il y a du monde qui vont pas du tout aimer ça, qui vont pas aimer ça, tout simplement. Moi, ça me dérange pas. Parce que moi, j'aime faire ce que je fais. Puis que même si vous regardez la vidéo, puis que vous l'avez pas aimé, ben, c'est pas grave. Moi, je suis moi. J'ai des caractéristiques que pour moi, c'est une qualité. Mais pour vous, c'est peut-être un défaut. Comme moi, je suis à l'aise devant les autres, je parle fort, je m'exprime, je dis tout ce qui me passe par la tête, seul à vos pensées, des fois. C'est sûr, ça, c'est moins de qualité, mais j'aime ça, participer à des choses. Et j'aime ça aussi dire mon opinion. Parce que moi, chaque personne est unique, puis chaque personne pense ce qu'il pense. Puis que cette personne-là, elle n'aime pas ce que cette personne fait là, ben, on va pas lui dire. Tout simplement, pas dans autre chose. J'aurais vraiment aimé ça, transmettre un message à moi quand j'étais plus petite. Ben là, quand même pas si petite que ça, là. Elle comprendrait rien. Bonjour, je m'appelle Ophélie. Me reconnaissez-vous? Oui, celle-là est parfaite. Elle a l'air, elle, d'être allumée. Moi, là, je suis moi. Je suis unique, authentique. Moi, j'avance avec confiance. Faut pas s'en faire avec le regard des autres. Qui aime ou qui aime pas. Tout ce qui compte, c'est aimer ce qu'on fait, aller de l'avant. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime, abonnez-vous, écrivez-moi un message, écrivez-moi votre passion. À la prochaine, manquez pas, surtout pas, l'épisode 10. Bye bye, peace guys.
Oh, arrêtez d'appeler. Non, il ne sort pas. Espèce de madame qui parle. J'ai jamais compris c'était quoi. Enfin, arrêtez.